Miguel, est-ce qu'il est toujours là? Miguel! Si, écoute! C'est Donatien de Montazac au téléphone! Il a goûté ton vin! Mais. Et alors, c'est bon? Je suis complètement déchiré! Oh, bah j'allais te proposer justement de prendre quelques bouteilles à la maison, mais bon. Yannive! Bah attendez, je suis pas encore là, Miguel! Yannive! Je suis pas encore là, Miguel! Si, mais ah, d'accord, avec. Il vient que là? Dès que je. Attendez, je regarde un truc. D'accord, c'est pas là. Je vous préviens, dès que... D'ici 5 minutes, je vous rappelle, d'accord? D'accord. Un you, la petite touguette, tripote-moi là, avec les doigts. Un you, la petite touguette, sans revenir de vous. Pauvre homme. Pauvre homme. Pauvre homme, pauvre homme. Terrible, ce que je vois là. Ça me fait de la peine, hein. Ça me fait de la peine de l'avoir dans cet état, de le voir dans cet état-là, j'arrive plus à parler. Quoi? Le GPS se fout de ma gueule. Oula. J'espère sincèrement, par contre, les verres ne vont... J'aurais pas dû donner rendez-vous chez moi. Après, si, c'est là-bas que j'ai les bouteilles. Oula, oula! Attention, monsieur, hein. Pardon. Oula. Ouh, l'erreur! Eh, mais c'était par ici que j'avais laissé la limo tout à l'heure. Mais je l'avais même laissé dans ce coin. Ouais, mais elle a dû partir depuis, hein. Ni à la fourrière. Allez, c'est dans ce coin la limousine. C'est par ici qu'il y avait la course de rallye. Ah, attendez. Mon cerveau m'aurait-il joué les tours? Où est-elle? Montazac mobile? Où est-ce que je l'ai foutu? Je crois que mon cerveau l'a vu, mais moi je l'ai pas vu. Encore une fois, je dois être aveugle. Je peux dire qu'une voiture comme celle-ci est plutôt discrète. Pardon? La Montazac mobile! Oh là là, la dernière fois que j'en suis descendu, je savais pas ce qui m'attendait, hein! Terrible! Oh merde. Allô, Yoko! Oui, Miguel, vous pouvez passer quand vous voulez au domaine! Actuellement en train de lécher le sol parce qu'il est beaucoup frais, que ça va tout bien, il ne va pas tarder, monsieur Montbouillard. Je m'y rends. D'accord, parce que là, je suis avec le curé, il m'a donné de l'eau de... je sais pas quoi, c'est vachement bien. Vous venez prendre quelques bouteilles, hein, j'espère, hein. Si, y allez, viens prendre. Vous êtes mon meilleur ami, je rappelle, hein. D'accord, au revoir, Donatien. À toutes. Y allez. Hey. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne fera jamais ce film de merde. C'est comme Avatar 2, ça. Que personne n'y croit, hein. Hop là, par ici. Faut pas que je me fasse flash. Pas de flash. Je sais plus combien j'ai de points sur le permis.
Pardon. Allons-y. Quel dommage que cette propriété ne soit pas en vente. Je suis sûr qu'elle est dans mes moyens. Putain. 8 points. Oh, ça va! Ok. Oh là là. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous, monsieur. Oh là là. Putain, mais c'est pas vrai! On sait jamais quand est-ce qu'ils sont là, les radars! Oh, ça rend complètement dingue! Mais dis pas que je vais devoir repasser, me repasser le permis, quoi. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je montre mon permis à monsieur au capitaine Bill Boyd, une fois, tant que je l'ai. Ensuite, quand je l'ai plus, je dirais, bah, je vous ai déjà montré mon permis avant. Il me fera, ah oui, c'est vrai, je vous fais confiance. Putain. Oui, faudrait que je... Et il fallait que j'ajoute... Il faut que je me souvienne, c'était 13-03. Est-ce qu'il est encore là? Des gros doutes. Oh, pardon, je passe un coup de fil! Je la fasse réparer la montre à sac mobile. Hein. Et quand les gens vont voir le véhicule dans lequel je me trimballe, ils vont se dire je vais voter pour lui. Ça va être quelqu'un de sérieux qui sait ce qu'il fait. Miguel, ça va aller. Il est pas là, hein. En attendant qu'il arrive, je vais peut-être en profiter un petit peu pour... Très rapidement. Très rapidement. Ah oui, c'est vrai que j'ai laissé le camion là-bas, je suis un idiot. Je suis un idiot, j'ai laissé le camion là-bas. Bon, c'est pas grave. On va prendre un peu de raisin blanc. Je crois que c'est ici. Raisin blanc, tout à fait. Appelez Miguel, vite fait. Et qu'est-ce qu'il fout ? C'est pas vrai ! Un cauchemar, je vais me réveiller, Miguel ! Mon meilleur ami ! Bon.
dégoûte. Ah, quelle belle journée tout de même. N'empêche que s'il m'avait donné 30 000 et pas 36 000, l'autre bâtard de Bernard Pichon, on serait toujours en dessous. Quel plaisir. Quel plaisir. J'espère que Miguel va bien. C'est vraiment les 150 000 pour le toit qui me casse les couilles. Monsieur Pénis, là. Le sergent Bit. Toujours là ? Oui, allô, monsieur Otazak. Oui, agent Panis, c'est oui. Donatien de Montazac au téléphone. Oui, vous avez du rosé. Non ? C'est pas pour le rosé que vous m'appelez ? Non, je vous appelle pour avoir des nouvelles par rapport aux 150 000 dollars que j'ai dépensé tout à l'heure, par rapport au feu de... sur ma propriété. Alors, et bah, comme je vous... Je n'ai toujours pas croisé le lieutenant Kuk qui détient l'information. Non, Kuk, et... bien sûr. Ah, ouais. Bah oui, c'est lui qui était au service hier après-midi, et donc lui qui a l'information de qu'est-ce qui s'est passé dans votre domaine, quoi. Ouais, je vois. Vous seriez pas intéressé par du blanc, par hasard ? Non, moi je suis vraiment rosé. Si vous avez un petit rosé, moi ça me va bien, par contre. Écoutez, il va falloir que j'en fasse, effectivement, de plus en plus de gens m'en demandent, hein, effectivement. Bah oui, parce que le blanc c'est beau avec le fromage, le rouge c'est beau avec la viande, mais le petit rosé c'est beau à l'apéro. Bien d'accord avec vous, vous êtes un homme de goût, agent Panis, hein. Merci, monsieur Otazak. Ah oui. Voilà. Bon, j'ai promis demain, dès que je croise le lieutenant Kuk, j'en parle. Au pire, je l'appellerai, vous savez, c'est un ami. Oui. Ah bah si c'est un ami, bah c'est très bien, essayez de voir avec lui. Bien sûr. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous avoir renseigné, mais j'étais pas là cet après-midi, donc je vais pas vous dire de la merde, quoi. Je comprends parfaitement, agent Panis. D'accord. Et sinon, ça va, vous avez pas eu de soucis concernant nos petites affaires de la soirée ? Non, tout va bien, tout va bien à l'heure actuelle, tout va bien. Très voilà. Bien, et on a géré la situation comme il c'est se parfait. Trouve. Parfait, merci à vous. Merci monsieur Otazak, au revoir. Bonne soirée. Tellement long à récolter le raisin blanc. C'est pour ça que ça vaut plus cher, hein. Bon. C'est bientôt fini. Va falloir que j'aille voir... Non. Va falloir que j'aille voir pour le rosé. Qu'est-ce que je dois prendre ? Non, mais qu'est-ce que je fais ? Je fais de la merde. Allez. Pour le rosé, faut quoi déjà ? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'il me faut pour le rosé ? Rosé. Oh non ! Oh j'ai... Oh l'erreur. Erreur peu grave, hein, bien sûr. Miguel, j'ai l'impression que il y a eu quelques petits soucis avec Miguel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Paul Rosé, c'est où ? Bouteille. Ah ! Oh ! Ah mais d'accord, mais si, bien sûr. Oui, allô, c'est pour le rosé ? Agent Panis, c'est Donatien de Montazac au téléphone. Oui, dites-moi. Eh bien, j'ai du rosé. Mais c'est pas vrai. J'ai du rosé, mais par contre, faudrait peut-être que vous veniez un tout petit peu plus tard, ok ? D'accord, ouais, bah, je suis encore là, donc y a pas de problème. Voilà. Vous m'appelez dès que... Mais c'est un beau rosé, c'est pas un truc tout frais, tout neuf. Excusez-moi, mais l'étiquette dessus, il me semble qu'il y a écrit, attendez, je lis... Montazac Torres. Ah, il me semble que c'est plutôt de la très haute qualité, je crois. D'accord, non mais parce que c'est pas une mise en vue qui a été faite récemment. Ah non, pas du tout. C'est quoi votre année préférée ?
Bah, moi, vous savez, je suis assez fan de 98. 98, à la Coupe du Monde. Exactement. Ah, bah, j'ai une centaine de bons crus 98, ça je peux vous le dire. Ok, eh bien écoutez, je suis preneur pour ma caravane. Je vous appelle dès que vous pouvez passer, d'accord? Ouais, pas de soucis, monsieur Otazaki. Voilà, à toutes, hein. Oui. Je vais pas le faire croiser Miguel non plus, mais par contre, Miguel... Les bouteilles vides. On arrive, monsieur Mobouyak, on a eu un problème avec une voiture dans un garage, et puis avec Yuni, on a dû être attaché avec des pieds et les mains, et d'espoir, ça après de monter dans une camion avec des gens bizarres qui vendaient des bonbons, et on arrive. Ah, d'accord, mais c'est bon là? Vous vous en êtes sorti? Si, on est en route. Ah, d'accord, bon bah écoutez, courage hein, surtout. Si, y arrive avec Yuni et les autres. Les autres, d'accord, très bien. On est 36, on a loué un bus. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas vrai, on est quatre. Très bien, très bien. Bon bah à toutes alors, hein, bien d'accord. Sûr. D'accord, à tout de suite. Ah, s'ils pouvaient me prendre un petit peu en otage là, mais après c'est pas l'heure, hein, mais bon. C'est plus l'heure des otages, j'ai l'impression, hein. Alors. Est-ce que je peux. Oui. On va faire un peu de rosé ici. Très bien. C'est du bon rosé 98, ça. Hein. Hop là. Je peux toujours faire 9 bouteilles encore, là. Petit rosé 98. Du monde. Je vais dire que Djorkaeff a craché dedans s'il veut, hein, si ça lui fait plaisir. Alors attends, je vais peut-être en prendre 50 autres. Et 50 autres là-bas, comme ça m'en fait 100, on est bon. Les affaires sont les affaires. Les bouteilles vides, c'était Gontran qui m'en avait parlé. Bon, j'en ai encore 654, mais au bout d'un moment, ça va peut-être faire un peu léger. Alors, un peu de rosé. Un peu de rosé 98. Hop là. Ah non, merde. Merde. Et le raisin qu'on a là. Hop, on va faire un petit blanc. Parce qu'on en a plus. Oh là là, mais en plus j'en ai masse. Ça fait grave plaise. Le petit blanc. C'est vrai que cette sangria, je l'ai pas trop écoulée hein, pour l'instant. Un blanc. Oh non, il me faut d'autres bouteilles. Ah oui, il va falloir que j'appelle Gontran. Peut-être Monsieur Monet, hein. Il m'a l'air un peu plus shady, lui, hein. On va en prendre 75, je suppose. Ah, si. Parfait. Ok. Vin blanc. C'est un gag. Mais faut que je range toutes ces merdes. Ouais, ça après. Le pain? Allez. Je vais me faire un petit truc là. J'en dépose un petit peu, je vais en déposer 30. Comme ça, on aura des munitions. On aura des petites munitions.
On est bon, 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 on est bon. Bon, Miguel. C'est pas tout, mais sinon j'appelle j'appelle l'agent Panis, quoi. Hein. Là, son vin blanc, je l'ai, hein. Sans aucun problème, hein. Appeler. Oh. Alors peut-être. Effectivement. C'est qui ça? C'est Grimaldi. C'est qui ça? Mais non, mais c'est Johnny. Salutations. Salut Johnny, mais qu'est-ce que vous faites là? Non, non, c'est juste que, comment dire, j'ai rejoint les vagos à l'église parce que Miguel avait confondu l'eau bénite avec du champagne, et ah oui. Là ils arrivent, j'ai juste pris un peu d'avance. Ah je vois, effectivement, j'attends Miguel, effectivement. Allez, voilà. La troupe qui arrive, là. Ah non, c'est pas eux du tout. Ah, écoutez, non, est-ce que vous voulez que... Est-ce que vous voulez boire un petit truc? Oh, attention, ça... À chaque fois, ça se termine en transaction. Bah évidemment, les affaires sont les affaires, monsieur Monet. Aïe. Avec un nom comme le vôtre, vous devriez savoir tout ça. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites avec un... Oui? Il me semble bien que j'ai encore des bouteilles d'eau sur moi. J'ai des bouteilles d'eau champe. Des bouteilles de champe? Mais nous avons du rosé, nous avons du blanc, nous avons du rouge. Nous avons de la sangria, même. Quoi, de la sangria? La sangria, tout à fait. Ah bah voilà autre chose. Ah, ça, je veux bien tester. Alors, combien je vous en mets de la sangria? Ah bah déjà une pour goûter, hein. Allez, ouais, mais c'est pas gratuit, hein, vous doutez bien, monsieur Monet, hein. Bien sûr. Allez hop là, la sangria, c'est 150. 150, très bien. Sangria, ouais, c'est un petit verre, quoi, donc 150, c'est donné, quoi, hein. Ah oui, quand même. Très bien. Hop là. Je m'attendais au bol de sangria à ce prix-là, quand même. Ah, écoutez, c'est votre verre personnel, vous êtes sûr au moins que personne n'ira plus piocher sa louche à l'intérieur. Bien sûr. Ah, voici le camion jaune. Vous traînez beaucoup avec les vagos, monsieur Monet? Bon, ça va, c'est tranquillou. Est-ce que je traîne beaucoup avec les vagos? Non, mais disons que oui, entre quelques tournées de poubelles, bon, bah, de temps en temps, pour prendre du bon temps, ils sont rigolos. Ah, c'est vrai qu'ils sont rigolos, puis ils mettent un petit peu, comment dire, du beurre dans les épinards, quoi. Oui, aussi, bien sûr. Récemment, j'ai eu la joie d'être l'un de leurs otages. Ah bon? Je peux vous dire que j'en suis ressorti ravi. Ah, je vois. Ah oui. Mais c'était pas l'énorme braquage, là, qui a eu... Si, tout à fait, à la Pacifique, tout à fait. Waouh, ouais, c'était le délire, les news, le bandeau de news s'arrêtait pas. Absolument. Incroyable. Incroyable. Messieurs, bonsoir. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Allez-vous? Ah, très bien, un plaisir de vous accueillir au vignoble. Oh là là. Bon, bonjour. Oh là là, Miguel, je vois Miguel, là, il a l'air bien. Miguel. Hein. Ouais. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Pour Miguel, enfin. Il faut le soigner, toi. Oh, Miguel. J'ai eu un problème, des types, ma couché. Femme m'a encore frappé. Mais non, mais je voulais frapper la voiture. Il faut pas frapper votre mari, madame. Mais je voulais frapper la voiture, elle m'a roulé dessus, j'ai rien fait. Oh, j'ai tellement de trucs sur moi. J'ai bossé à l'hôpital, je crois. Oh là là, c'est dommage. Et après, il a pris du champagne. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Sangria, hein. Sangria? Ah bah, je viens d'en donner à monsieur... Je viens d'en vendre à monsieur Monet. Je commence déjà à descendre, c'est léger. Allez, hop là. Combien est-ce que vous voulez de sangria, monsieur? T'inquiète, c'est pas grave. Il paye, hein. Vous... 5. 5? Alors, c'était 150 pour monsieur Monet, 150 fois 5, on est sur du 500, on est sur du... Ouais, on est sur du 700, sur du 800, quoi. Ouais, 1000, si tu veux, vas-y. Allez, un petit 1000. Un petit 1000. Un petit 1000, quoi. Allez, hop là. Quelle histoire. Un plaisir de traiter avec les vagos, toujours, hein. Ah, moi qui pensais que j'avais un niveau mat 3ème. Oh, bah, Johnny. Ah, oui, ah bah attendez, je vais vous payer. C'est toujours elle qui chope l'argent, c'est fou ça. Oh là là. Magie, plus rien, c'est plus. Vous êtes une véritable gold digger, j'ai l'impression, hein. Un petit peu. Ouais. Ah, vous avez trouvé la perle rare, j'ai l'impression, hein. Ah, mais après, je suis une femme indépendante, je fais mon propre argent. Ah, évidemment, et d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que je vous sers? Moi j'aurais bien un gin tonic, s'il vous plaît. Ah, mais je. Ah, par contre, je n'ai pas ça, je suis désolé. Ah. Je peux vous dire ce que j'ai. J'ai champagne, rosé, vin blanc, sangria. Oh, un petit vin rouge, un Bordeaux. Un seul? Oh, un petit verre, oui. Oh, une bouteille. Mon mari est complètement bourré, donc... Une bouteille entière, je vous donne, je suis sympathique. Enfin, je vous vends, bien sûr. Plus sec. Plus sec, c'est 250 la bouteille. 250 hop. La bouteille, hop.
Et on est bon. Ah, plaisir, plaisir. Et Miguel voilà. Merci bien. Miguel, mon ami. Et... Tu veux me prendre quelque chose, mon petit Miguel? Si. Si, une sangria, une champagne, oui. Une rouge, oui. Une blanc, oui. Il veut goûter toute la maison. Toute la maison. Une bouteille de chaque. Une bouteille de chaque, ok. C'est une bonne idée. Oh, non, bah, faites confiance à Miguel, c'est un grand garçon. Hein. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon. Les Bratislava Boys, bien sûr. C'est ça, les Bratislava. Eh, bien sûr, j'adorais. Coucou, 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 touche, touche. Hop là, la petite... On a demain, monsieur. Hop là, Paris. Ouh, ça fait des bouteilles, tout ça. Ça fait des bouteilles, ça fait surtout 5000, mon petit Miguel. Elle a tout pris aussi. Si ça te va, bien sûr. Pour Camille, prix d'amis, bien sûr. Attends, ça te rappelle des choses. On bouge pas. Oh non, Miguel. Comme ça, il y a le joue de 5000. C'est bon. Oh bah, merci. Oh là là. C'est toujours un plaisir d'être ton otage, Miguel. Hein. Ah, merci beaucoup. Ah, il était peut-être donné du pognon que tu peux pas utiliser. Alors, donne-moi tout le pognon. Ah oui, mais comment je sais. Tu sais que c'est mon donne 10 000 bah, s'il te plaît, du pognon, du bon pognon. Hein. Ah oui, effectivement, oui. Attends, il y a deux. Oh, ouais, c'est chelou. J'ai 40 000 balles à prêter, par favor. J'ai cru comprendre ce qui était. Enfin, bref. Oui. On en parlera plus tard, monsieur Johnny. S'il vous plaît, Miguel a une question à vous poser. Oui. Est-ce que quelqu'un a 10 000 balles à prêter? Je vais un peu récréer avec les moi. Chérie, je vais te rembourser, je te promets. C'est 10 000, du coup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame, encore une fois. Vous êtes vraiment... 10 000, mais vous avez pris quoi? Ah, Miguel, vous avez vraiment de la chance d'avoir trouvé cette dame, hein, vraiment. Et vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je peux avoir du jus de raisin, s'il vous plaît? Alors, jus de raisin, je vais voir si j'ai ça quelque part. Pas sûr. Ah, c'est Oui, ça fait bim, bam, boum. Hop là. Combien de bouteilles de jus de raisin? C'est tout frais. C'est possible d'avoir 5. Mais attends, je me 5, bien sûr. Patate, si t'as encore envie de me dire des choses. 5, bien sûr. Hop là. Ça vous fera 1000 en tout, les 5. Oh, jus de raisin, merci, ça fait plaisir. Oh, Miguel. Non, c'est pour Ellie. C'est pour Ellie. C'est pour Ellie, le jus de raisin. Ellie, tu vois pas le champagne? Bah non, parce que si vous tous vous ramenez, il vaut mieux quelqu'un qui soit sobre, quoi. Oh, on s'en fout, au pire, on meurt, de toute façon, les familles, ils veulent déclencher une guerre, ou dedans, du ils coup, mettent un milliard dedans, et ils vont commencer par l'outouer en premier. T'avais combien, du coup? 1000. Ok, je vous donne ça comme ça? Ah oui, bien sûr. La nuque risque de partir. Allez-y. C'est pour moi, le coup de la nuque? Mais oui. Alors, qu'est-ce que vous dites de ma boisson? Je viens de voir que vous avez pris un petit coup, là. Ça tourne un peu, hein, ça détruit un peu le ventre, quand même. Hein. Après, j'aurais pas beaucoup mangé, j'ai un peu faim. Ah bah oui, faut jamais, faut toujours coupler ça avec quelques petits menus arcs. Hein. Vous en avez, monsieur Donatien? Je peux vous vendre quelques menus arcs, effectivement. Ah bah, je vais prendre un petit stock, une petite dizaine, s'il vous plaît. Une petite dizaine de menus arcs? Avec grand plaisir. $1000, le goût des... Avec grand plaisir. J'ai su que je pouvais revendre mes menus. Hop là. 10 menus arcs. Hop, ça fera 1005. Hop là. Oh, c'est très gentil. Je vous en prie. Ça fera 1005. Hein. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ah, c'est toujours un plaisir d'avoir les Vagos avec nous. Hein. Vraiment. Vive le jaune. Hein. Bien sûr. Ma chemise en témoigne, hein, bien sûr. Magnifique. Ah oui, d'ailleurs, laissez-moi étudier votre tenue. Je fais une étude là-dessus. Ah oui, dites-moi. Bah, c'est surprenant, oui, non, c'est une étude sur les grands de ce monde, bien sûr. Évidemment, je pense que vous n'avez... Vestimentaire. Si ça vous surprend, c'est peut-être que vous n'avez pas vu beaucoup de vignerons dans votre vie, hein. Oui, c'est ça, ok, c'est très intéressant. Ah, merci beaucoup. Écoutez, et tant que je vous ai là sous la main, messieurs, dames, il est possible que prochainement, j'annonce ma candidature au municipal. Ah, je sais pas qui vous a glissé cette superbe idée. Ah, écoute, c'est peut-être mon meilleur ami. Ah. Mon meilleur ami Miguel, peut-être. Je sais pas qui c'est qui finance cette campagne. Écoutez, c'est peut-être mon meilleur ami Miguel. Oui, je crois que je vous vois là. Voilà. Donc, si au moment de passer dans l'urne, l'idée vous vient de voter pour moi, il y aurait peut-être des petites réductions sur beaucoup de choses, quoi. Voire même de la gratuité, peut-être. Oh là là, il a osé dire le G-word. Le G-word a été prononcé, mon petit monsieur. Incroyable.
Et on sait qui se présente en face ? Aucune idée. Mais il y a des chances que mes concurrents ne voient pas le bout du tunnel, on va dire. Ouais, je vois bien le vieux Pichon se lancer dans ce genre d'aventure. Oh, c'est pas vrai. On peut fumer ici, monsieur Donatien ? Bien sûr, les vagos sont tous les droits dans cette maison. Ouais, et puis depuis que monsieur a découvert le plaisir des cigarettes et leur vertu relaxante... J'en veux bien une d'ailleurs, mon petit Johnny, si ça vous dérange pas. Ah, décidément. Bah écoutez, vous êtes mon fournisseur de clopes. Oui, j'ai bien compris, oui. Ouais, avec grand plaisir. Ah, merci beaucoup. Petite clope, quoi. Ouais. Ah, ça fait bien plaisir. Votre ami là-bas à la fenêtre, qu'est-ce qu'il fait ? Il guette ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas à la fenêtre ? Il guette un peu ? Il est en train de téléphoner, Denis. Il téléphone tout le temps. Il téléphone ? Oh, merci pour le paquet, fort aimable ! Avec plaisir, petit stock. Fort aimable. Souhaitez-vous boire autre chose ou ce sera bon ? Ça sera bon, merci. Merci beaucoup. Ça sera bon ? Ah, bah, parfait. Ah oui. Ah bah, c'est bizarre, ça n'a pas marché. Ah, j'ai déboulé aussi. Vous avez jeté votre club parce que vous avez donné quelque chose. Ah, peut-être bien, mais de toute façon, j'ai un paquet. Ah bah super, ça valait le coup de me taxer. Écoutez, on vient de me le donner, le paquet. Ah, c'est toujours très impressionnant, cette gestuelle. Je vais lui donner juste après, oui. Et voilà. Désolé pour le taxage, monsieur Monet. Hop là. Et vous vendez aussi les saucissons ou pas ? Alors, je vais voir ce que j'ai. J'ai 9 saucissons, Miguel, t'en veux ? Des saucissons, oui, j'ai plein. T'en veux combien ? Il me retourne dans mon porte-monnaie, chérie. Il me prend combien de saucissons ? Moi, il me reste 18 000. Ah, bah, c'est exactement ce que j'ai ! On prend pour 12 000 des saucissons. Non, j'en ai que 9, hélas, messieurs, dames. On prend combien de saucissons ? À combien vous êtes prêts à mettre pour un saucisson ? Ça sent 1000 balles de saucisson, de toute façon, il y a l'impression que c'est... Miguel, n'abusons pas tout de même. Après, si tu les as, je vais pas dire non, bien sûr. Hein. Non. Tenez, voici 9 saucissons, mon bon Miguel. Merci. Et si vous... payez-moi ce que vous pouvez, voilà. Et le prix, c'est vous qui décidez, vous êtes de très bons clients, j'adore les vagos. Incroyable. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, Ah, merci beaucoup, c'est exactement ça. Merci beaucoup. Tout à fait. Parfait. Alors, quel plaisir. On prend le projet ou vous avez des affaires à régler encore ? Bon, écoutez, qu'est-ce que vous comptez faire là, messieurs, dames ? Rouler jusqu'à chez moi. Rouler jusqu'à chez moi. Une grosse journée, hein. Deux parachutes, avion, hélicoptère, je suis chaud. Non, vous avez encore fait de l'avion, monsieur Joe ? Allez, on va faire un braquage des Pacifiques, c'est mardi. Non, mais. Braquage des Pacifiques, non. Bon, allez, messieurs, messieurs, dames, bonne journée, hein. Merci beaucoup, monsieur Donatien. J'adore les vagos, hein, je vous applaudis tous les soirs à 20h. Ah, j'espère bien. Merci à vous, hein. Bravo, hein. Merde, j'ai fermé le mot de visée. Non, la porte est ici, Miguel. La porte est ici, Miguel. L'autre, Miguel. Ils sont bien dorés, à côté. Ouais, en tout cas, ils se sont fait plaisir, j'ai l'impression, hein. Tant mieux. Toujours bien accueilli ici, ça fait plaisir. Bah, écoutez, c'est un plaisir de régaler les vagos un petit peu de temps en temps, quoi. Puis on passe des journées difficiles en ce moment. Ah oui, j'imagine, oui. La journée n'a pas été très facile non plus, je vais bien vous admettre, hein, mais je pense que vous êtes au courant. Ah, avec l'incendie. L'incendie, d'ailleurs... Vous avez réparé votre... Oui, j'ai réparé, mais ça m'a coûté 150 000 balles. Je sais même pas qui a mis le feu ici, je débarque ici, c'est arrivé dans l'après-midi, et ça m'a coûté 150 000 balles. J'étais même pas là, donc je sais même pas qui c'est qui a mis le feu. Ouais, c'est terrible. Si c'est un mec de chez moi, je vous rembourserai. Oh bah c'est fort sympathique, merci beaucoup. Problème. Moi j'ai un autre problème. Dites-moi tout. Et on va parler entre hommes d'affaires. Ouais, dites-moi. Il se pourrait que j'ai des types qui portent mes vestes. Vos vestes, c'est-à-dire ? Pour faire des casses. Ah oui ? Ouais. Et qui sont pas de chez vous, du coup ? Ah non, ils sont pas de chez moi, non. Oh là là, d'accord. Donc si vous voyez des vestes vagos et que les mecs sont masqués, c'est que c'est pas nous. Nous, on fait pas ça masqué. Nous, on monte nos visages et on s'arrange pour que tout le monde sache que c'est les vagos qu'on fait le coup. J'ai bien compris. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire, alors ? Bah, vous faites ce qu'ils vous disent, si vous pointe un flingue... Non, évidemment, mais je dois vous prévenir, je dois faire quelque chose. Oui, si vous pouvez, vous me prévenez. Je sais même pas si j'ai votre numéro. Bah non, même pas, non, je crois pas. 4031. Alors, votre nom exact, par contre. Lenny Johnson. 555 4931, hop là. 931, ouais. Parfait. Vous voulez le mien ou vous l'avez ? Ouais, allez-y, donnez-le-moi.
Alors, moi, c'est Donatien de Montazac, bien sûr. Ah, mais oui. Si, j'avais déjà votre numéro, Lenny Johnson. Voilà, nickel. Je l'avais déjà. Et mais... le vôtre ? Donatien de Montazac, du coup, 39-44, comme si la Seconde Guerre mondiale s'était terminée un an avant, voyez-vous. Voilà. Ok, nickel. Le problème, c'est que ça, ça nuit à mes affaires et c'est pas bon pour... Ah, mais je comprends totalement, hein. Je comprends totalement, hein. Eh bien, écoutez, courage à vous. Écoutez, si je vois, si je me retrouve otage, et croyez-moi, c'est une situation qui m'arrive assez étrangement régulièrement, je vous ferai signe si je vois des gens porter des vestes jaunes avec des masques. Vous arrivez bien à vous en sortir à chaque fois, vous gagnez de l'argent. Oui, effectivement, je ne me plains pas. Effectivement, je suis un très bon otage. Oui, vous êtes un très bon otage, oui, effectivement. Effectivement. On vous paye assez pour faire ça. Effectivement. D'ailleurs, apparemment, si vous voulez vous faire de l'argent, apparemment, il y a une pacifique qui sera en cours de préparation. Arrangez-vous d'être otage si vous voulez gagner de l'argent. Ah, c'est pour quand ? Ça, c'est pas moi qui organise, donc c'est ça, je peux pas vous dire. C'est un des vôtres qui organise ça ? Non, pas du tout. Ah, d'accord, très bien. Nous, on l'a déjà fait, ça nous suffit, on est reparti avec le magot. Ah, bah écoutez, avec grand plaisir, mais va falloir me prévenir, quoi, bien sûr. Parce que vu que je ne sais. C'est à vous de vous renseigner, mais il y a une pacifique qui se prépare. Très bien, ok. Bon, si vous voulez vous gagner de l'argent et faire votre jeu de l'otage malmené, etc. Bien sûr, merveille. Évidemment. Si vous voulez vous gagner de l'argent, c'est le moment. Écoutez, ça sera avec grand plaisir. Ça marche. Ok, passez une bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur. 29 000 balles, hein. 29 000 balles, quoi. Allez, il est où, lui ? Monsieur Montazac, je vous écoute. Oui, c'est Donatien Montazac au téléphone. Oui, oui, dites-moi. Vous voulez venir récupérer vos rosés ? Ah, vous savez me parler, monsieur Montazac. Écoutez, ouais. j'ai une petite affaire à finir et je monte avec mon collègue les récupérer. Avec grand plaisir. Allez, très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok. Ok. Tout va bien. On va ranger les jus de raisin. Hop. Bon, ils sont là. Et bonne journée, hein. Je n'abîmez pas la Montazac mobile, hein. Oh, j'avais pas vu la limousine, pas mal. C'est la Montazac mobile. Incroyable. Ah, merci bien. Merci pour l'autre côté, Miguel. Quoi, l'autre côté ? L'autre à gauche ? Oui. D'accord. À très vite, Miguel, hein. Au revoir. Un plaisir d'être une journée de plus en étant votre meilleur ami, Miguel, hein. D'accord. Allez. L'autre gauche. Oh là là, j'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal, votre ami, hein. Il a un petit peu... Oh là là, c'est terrible. Je passe par l'autre côté. Miguel, vous voulez que je vous aiguille ? Si, parce qu'il est bien. Suivez-moi, Miguel, suivez-moi. Vous suivez-moi. C'est juste ici, Miguel. C'est ici ? C'est juste là. Ici. Voilà, bravo. Merci, merci. Bonne soirée à vous, messieurs, dames. Bonne soirée. Un plaisir. Salut. Ok. C'est bon, le keuf il vient juste après, il se croise pas, c'est nickel. 12 000 balles pour les 9 saucissons là. On va ranger le camtar. Enfin, j'ai quelque chose dedans ou pas ? Non. Tout est rentable, hein. Hop là. Hop. Allez. Allez, voilà. Ah, ça fait clean, hein. Par contre, ça fait pas très clean. Elle est dégueulasse, hein. Oh là là, c'est terrible. Comment ça te donne à l'intérieur exactement ? Merde, c'est sûr. Comment ça donne à l'intérieur exactement ? Ah, c'est pas mal du tout, hein. C'est vrai que des néons en plus, faudrait que j'achète ça. Hein. Je vais peut-être faire ça après le passage du keuf. Hein. Ça ferait bien plaisir.
Mais ce serait bien qu'il tarde pas trop en vrai. Pas que ça a foutre que d'attendre ici moi. Monsieur Montazac, dites-moi. Oui, agent Panis, c'est Donatien Montazac au téléphone. Oui, dites-moi. Dites-moi, vous comptez tarder ou pas trop ? Eh bien écoutez, je viens d'avoir ma petite flica quotidienne à 2h30 du matin, et voilà, donc bah, après si c'est trop tard pour vous, je vous rappelle demain. Hein. Non, mais quand est-ce que vous comptez passer ? Bah écoutez, si on va voir, si la flica il se passe rien, je passe de suite, voilà. Ah, écoutez, écoutez, vous... dites-moi combien de bouteilles vous comptez me prendre, juste ? Oh bah je sais pas, une cinquantaine. Une cinquantaine de rosé, ah, hein ? Je vais faire une belle cave à la maison. Ok, une cinquantaine de bouteilles de rosé, hein. J'espère que votre portefeuille est assez bien fourni, ça va coûter assez cher, je préfère prévenir, hein. Ah, attendez, il faut un devis, carrément ? Oh putain. Non, 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 pas un devis spécialement, pas un devis. Ok. Non, non, pas un devis, mais préparer un petit peu votre porte-monnaie, quoi. C'est quand même, ça a été récolté avec amour et c'est beaucoup de travail, quoi. Je comprends. Écoutez, sûr. Je vais vous donner un endroit pour nous retrouver, je ne serai pas sur le... Écoutez, à mon avis, vu comment se passe la flica, il y a encore du monde devant, donc je pense que je vais en avoir pour un petit bout de temps. Je vous rappelle dès que je suis disponible. Oui, d'accord, écoutez, je vous donnerai rendez-vous à un autre endroit dans tous les cas, parce que moi je vais bouger. Ouais, voilà, et si vous n'êtes plus là, je vous appelle dès demain si vous êtes là. Mais je serai là, peut-être. Au revoir. Parfait, monsieur Montazac, au revoir. Pourquoi j'ai un couteau ensanglanté sur moi d'ailleurs ? Très bizarre cette histoire. Oh, c'est pas vrai ! Mais j'ai rien du tout ! C'est pas vrai, je vais pas pouvoir... Eh ? Eh ? C'est vraiment limite, quoi ! Et voilà, putain ! J'en ai 46 ! Je vais peut-être poser la canne, peut-être qu'avec ça, ça sera bon. Ah mais attendez... Ah mais bien sûr ! Quel idiot je suis ! Quel idiot je suis ! Tellement peu l'habitude de faire ça. Et je sais plus, non, une encore, oui. Quel idiot je suis ! Alors que j'avais réparé tout ça. Hein. On va d'abord mettre les néons et ensuite on va réparer. 4 bouteilles de rosé. Hop là. Ouais, peut-être que je vais acheter de quoi pouvoir transporter plus de trucs moi au bout d'un moment. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Réparation de voiture, où est-ce que c'est ? Je sais pas où c'est. Est-ce que c'est... Ça répare, ça ? En tous les cas, une pierre deux coups. Dans tous les cas, faut que j'y aille. On est parti. Et... Oh, c'est pas... Pardon. Vu que je vais la réparer, je peux faire un peu n'importe quoi. Ah bah vite. Je crois que c'est un bon raccourci là-bas. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Oui, c'est parfait. C'est absolument parfait. Merde, j'étais persuadé que... Étonnant. J'étais persuadé que... Oh, j'habite ici depuis des jours et je me souviens jamais du chemin. Ah oui, bien sûr. J'ai confondu cette intersection avec l'autre. Pardon.
Avec une voiture comme ça, si on vote pas pour moi, je comprends pas. Hein. Ça fait proche des gens, des personnes qui sait ce qu'il fait. Ça fait sérieux, quoi. La voiture de monsieur le maire, quoi. Tazak, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez été projeté? Oui, je suis sur place, c'est monsieur de Montazac qui s'est fait éjecter de sa limousine. En même temps, il n'y a plus une seule vitre sur sa limousine, alors c'est pas étonnant s'il met pas sa ceinture. Le lieutenant vous a jamais dit de mettre votre ceinture, monsieur de Montazac? Alors, entendu, docteur Maison. Allez, je vais m'occuper de vous, monsieur Donatien, il n'y a plus de problème. Je m'occupe de vous. Et allez, je vais y aller compter jusqu'à 5 et tout ira mieux. 1, 2, 3, 4, 5. Ah voilà. Bah, monsieur de Montazac, vous voulez que je vous la répare votre voiture parce qu'elle est dans un sale état. Docteur Maison? Non, c'est docteur Madame. Ah oh, merde. Ah bonjour docteur Madame. Oui, docteur Maison vous fait un bisou. Ah, oui. Il m'a dit, hein, il m'a dit de vous faire un bisou. Ah, merci beaucoup. Comme j'ai entendu, vous pouvez j'allais réparer ma voiture justement, mais j'ai eu un petit accident. Vous pouvez le faire? Mais oui, je peux vous le faire. J'ai les compétences, vous savez. Moi, je suis motarde déjà, puis. Ouais.
Et puis avant, j'étais... Bah, attendez, on va sortir. Attendez, docteur, madame, je suis un peu encore sous l'emprise oui, de oui, votre... Et puis avant, j'étais taxi, alors je m'y connais un petit peu. Oh, ma pauvre voiture. Ah bah oui, alors elle est dans un sacré état. Ah oui. Allez, c'est parti. Oh là là, docteur, madame. Ben oui. Vous êtes extraordinaire. Vous n'avez pas un petit peu bu, monsieur? Bah non, c'est votre calmant qui me fait cet effet. Oui, vous allez voir flou un petit moment, bah, et puis après ça ira mieux. Ah oui, c'est en train... C'est incroyable ce que vous faites. Bah écoutez, je vous répare juste les vitres, hein, comme ça, puis je vous remets un petit capot quand même. Ah, hein, ça serait vraiment sympa de votre part, merci beaucoup. Ouais, hein. Bon. Y a pas de souci, mais je vois bien que ça vous met en danger, là. Ce serait dommage, une si belle voiture. Ah oui, elle est belle, hein. Bah oui, elle est très belle. Oh là là, regardez, c'est magnifique, docteur, madame, ce que vous avez fait. Voilà, elle est toute belle. Oh là là, merci beaucoup. Et si... Ah. Oui. Bon, non, rien. Vous avez réparé mon corps et ma voiture, incroyable. Et ben voilà, Excusez-moi, docteur, madame. Oui, j'ai vu ça. Le pare-choc, il y a un petit souci, j'ai l'impression. Vous aviez peut-être mis à pas assez le scotch, je pense. Oui, attendez, alors je vais essayer de réparer ça. Il n'y a pas de souci. C'est dommage qu'on se donne autant de mal pour que ça se termine comme ça. Alors... Ouais, pourtant je vous avais bien recollé le petit titi devant là, mais oui, le pare-choc c'est pas ça. Bon, de toute façon j'allais la faire réparer dans tous les cas, donc... Mais... Non mais les gens ici à Los Santos sont fous, vous savez bien. Ah oui, je le sais, je ne le sais que trop bien. Bon bah voilà, comme ça vous avez deux pare-chocs maintenant. Ah bah merci beaucoup docteur madame, merci beaucoup. Tout va bien ? Hop, merde. Ah bah oui, bon bah c'est original, hein. Moi aussi, si j'avais une belle voiture comme ça, je monterais dessus. Bon, allez. Bonne... Tâchez de faire attention à vous et mettez votre ceinture. Oh, attention, madame ! Tout va bien ? Oui, bah ça, j'ai un peu mal à la cheville, mais... Faut peut-être pas qu'on discute ici, hein, mais bref. Oui. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous faites des cascades. Ah bah oui. Avec un corps comme le mien, faut en profiter, hein. Au revoir. Hop là, la petite astuce pour faire réparer la voiture gratos, là. On est bon. Bon, faut juste faire gaffe en descendant, quoi. On est bon. Hop là. Hop, hop, hop. Docteur Madame. Je me souviens jamais de son véritable nom. Comme Docteur Monsieur, j'oublie à chaque fois. Il y a Docteur Monsieur et il y a Docteur Madame. Hop là, je la gère cette route maintenant. Hop là, je la gère. On est très bon. C'est ça. C'est exactement l'attitude à avoir quand j'arrive. Peut-être que je me prenne une résidence secondaire, hein. Ma résidence principale, ça reste tout de même... la plantation, mais faudrait peut-être que je pense à... Mais j'aimerais bien que mon prochain achat me fasse pas tomber en dessous du million, quoi. Ceci dit, là... Ah non, mais c'est bon, j'ai suffisamment de liquidité sur moi. Donc faudrait que j'économise encore un peu, les temps sont durs en ce moment. Un peu compliqué ici. Pas ici, hein. Ah non, c'est là. Ah oui, c'est là. Bien sûr, je reconnais. Les néons. On va tout mettre, hein. Lumière. Kit néon. Phare, ah, d'ailleurs. Phare xénon.
Rien. Oh. Allez. Lumière. Kit néon. Bar néon. Tous les néons. Tous les néons, mais c'est pour l'intérieur, je crois, les néons. Je sais pas s'il y a d'autres choses vraiment intéressantes à... Ah, c'est bon. Couleur néon. Eh, mais je vois pas... Golden Shower, mais non. Oula. Je ne sais pas trop comment voir les néons. J'ai l'impression d'avoir acheté les néons pour rien. Quel est mon muscle déjà pour allumer mes phares? J'oublie à chaque fois. J'oublie à chaque fois. Ah, mon muscle H ne fonctionne pas. Mon muscle H ne fonctionne pas. Mon muscle L me permet de me faire sortir mon téléphone. Merde. Allez, grâce au docteur madame. Ah. Ah. Où sont les néons? Ah. Non. Ah mais ils sont... Ah. C'est à l'intérieur. Ah non. Bah, les néons. Ah, c'est de la merde, hein. Ah, c'est terrible, je suis extrêmement déçu. Je suis extrêmement déçu. Attends, quand je vais dans la lumière et mon kit néon... Ah, tous les néons sont acquis. Écoutez, j'ai l'impression que ça ne marche pas sur ma Montazac mobile. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Bon, et puis tant pis, hein. C'est pas très grave. Hein. J'arrive. Et vous arrivez où? Bah, où vous voulez. C'est bon, non, vous êtes... c'est bon. C'est... Attendez. J'arrive. Envoyez-moi une position, j'arrive. Ok. D'accord. Allez, à tout de suite. Oh, ça rend très très bien les petits phares, hein. Oula. Oula, oula. Calmons-nous. Fantastique.
Ah. Monsieur Panis. Attention à la Montazac mobile, monsieur Panis. Allez, là, j'ai pas pris d'argent. Ah. Oh bah j'aurais sûrement ce qu'il faut, vous n'allez pas dire que ça va vous coûter 50 000 dollars, monsieur Otazak. Non, 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 vous en vouliez 50, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est combien la bouteille? Ah bah, c'est la bouteille de rosé est à 400 normalement. 400. D'accord. Bah 50 fois 400, ça fait 20 000. Ça fait 20 000, c'est si ça. Je sais bien côté. C'est ça, ça fait 20 000, exactement. Et bah nickel, on est tout pour... Alors attendez, c'est dans le coffre de la Montazac mobile, j'arrive. Venez, suivez-moi. Très, très bien. Oui, merci beaucoup. Alors. Oui. Je vais pouvoir vous en donner 30 seulement et ensuite 20 ensuite, là. D'accord. Hop. Hop. Plaisir de faire affaire avec la police, hein, bien sûr, toujours. Ouais. Ah, vous n'avez pas de place. Oui, donnez-moi plus des petits paquets, je vous avoue que j'ai déjà avec le... Oui, bien sûr, évidemment. Je vais vous en donner 10 par 10. Et vous qui connaissez bien vos crus, vous me le conseillez avec quoi, celui-ci? Oh, écoutez, avec un peu de saucisson, quoi. D'accord. Ok. Avec un peu de saucisson. Et là, je ne peux plus vous donner la suite, ouais, quoi. Je vais poser dans le coffre. Vous allez bien? Bien et vous, monsieur Montazac? Ça va très bien depuis l'accident de tout à l'heure. Ouais, ouais, ça va un peu mieux. Ouais. Vous en êtes sorti avec votre incendie? Eh bien, écoutez, non, je... Toujours un trou de 150 000 dollars, quoi, mais bon. Et je pense qu'il faut que j'attende le retour du lieutenant Cuc, quoi. Ouais. Et voilà, vous pouvez m'en redonner 20, s'il vous plaît. Alors, en voici 10. Merci. Et je vous sors les 10 autres ensuite. Parfait. Je vais vous donner les 20 directement. Ce que vous avez acheté à la propriété tout à l'heure, vous avez essayé d'utiliser ou vous n'avez pas encore eu l'occasion? Non, j'ai pas encore eu l'occasion, j'étais toujours en service. Ah, évidemment, évidemment. Et voici les 20 dernières. Merci beaucoup, je vais les poser et je reviens. Merci beaucoup. Monsieur Panis, j'ai une petite question. Oui, dites-moi. Je viens d'installer les néons sur ma limousine, mais je ne les vois pas. Je vais te demander. Attendez, j'ai peut-être une idée. Je peux me permettre de la conduire? Allez-y, je me mets en fauteuil passager. Allez-y, mettez-vous. Venez avec nous, officier. Je vous laisse vous l'ouvrir. Ah merde, je l'ai fermé, pardon. C'est pas grave. Tac. Alors, vous avez mis quoi les néons? Vous avez juste mis la barre? J'ai mis la barre. Ah, je les vois! C'est quand je suis à l'arrière! Vous les voyez, vous êtes sûr? Ah bah c'est à l'intérieur, non? Ah non, c'est à l'extérieur, les néons. Ah bah là, je les vois pas. Attendez, je vais... Putain, ils ont grandi ici ou quoi? Pour la Montazac mobile, bien sûr. Je comprends. Alors, donc vous avez pris donc le kit néon, effectivement. Ah oui, c'est ça, en fait. Vous avez pas pris... Mais j'ai l'impression que ça marche pas... Sur les limousines? Non, bah, en fait, vous, donc, en tout cas pour les autres voitures que vous avez, vous achetez dans un premier temps la barre de néon. Donc soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Bah je l'ai là. Que vous l'avez, voilà. Là, celle-là, par exemple, typiquement, vous l'avez. Et ensuite, il faut choisir la couleur du néon. Bah, j'avais mis blanc. Oui, et ben je crois, je vais vous la mettre. Mais je crois que pour limousine, malheureusement, la barre est trop fine. Voilà. Ah, c'est terrible. Donc c'est terrible. Par contre, ça marche bien sur les autres véhicules. Bien sûr, mais moi, je ne roule qu'en Montazac mobile, bien sûr. Je peux comprendre. Hein. Chacun son stade. Appuyez sur, oui. Klaxonner pendant un petit moment pour voir. Oui, c'est beau. Fantastique. Ça vous va? Elle est très très belle. Ah, merci beaucoup. Très très belle. J'en suis très fier. Ah bah, je sens que vous avez hésité pendant pas mal de temps. Quand je serai maire de cette ville, je me baladerai tout le temps avec ça. Hein. Ah, vous présentez aux élections? Évidemment. D'accord. Ok, c'est ambitieux comme projet. Bah, évidemment. Mais est-ce que j'ai l'air d'être un homme peu ambitieux? Non, mais vous savez, voilà, il y a quand même pas mal de prérequis pour devenir homme politique. Et quels sont-ils? Bah, pas mal, il faut être quand même, avoir un certain nombre de signatures, avoir le casier vierge... Ah, le casier vierge pour être homme politique, c'est la meilleure celle-là. Bah oui, ouais, bien sûr. Le cul. Bon après, je dis ça, au final, j'en sais rien, mais bon courage pour vos élections. Hein. Ouais, merci beaucoup.
Ok, bon bah merci, je vous dois combien du coup ? 20 000 du coup. 20 000 dollars, j'aurais dû rien dire et peut-être partir. Oh, croyez-moi, je n'aurais pas oublié. Vous êtes sûr ? Ah, certain. D'accord, bon bah top. Écoutez, merci beaucoup, monsieur. Je ferai le criminel. Eh ben écoutez, dès que j'ai terminé tout ça, je vous rappellerai, j'en recommanderai. Eh ben écoutez, un grand plaisir, j'espère que vous apprécierez, mais c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Allez, à plus tard. À plus tard. Casier vierge, non mais c'est la meilleure celle-là. Combien j'ai du coup ? On va déposer tout ça. La banque la plus proche. La banque la plus proche, je suis aveugle. Ah, elle est juste ici. Oh là là ! Ok. Problème de portière, j'ai l'impression. Ça m'embête un peu cette histoire de néon, hein. C'est qui ça là-bas ? Ah, lui, il a des... eux, ils ont des néons. Hi there. Hi there. 48 000. On va déposer 47 000. Hi there. Hi there. Oh non, c'est pas vrai. Hi there. Oh, lequel des Vagos m'a filé des faux billets, quoi. Si on peut même plus faire confiance aux Vagos, à qui on peut faire confiance, quoi. Oh là là. Ça me rend fou cette histoire. Bon allez. Arranger la limo. Casier judiciaire vierge. La bonne blague. Oh. Demain, va falloir que j'explique tout ça à Fab. Et encore une fois, il va pas m'écouter. Hein. Il va rien comprendre. Complètement à la ramasse, le petit. Hein. Ah, les Vagos qui m'ont payé le jus de raisin. Le jus de raisin avec des faux billets, quoi. Le problème, c'est que je peux pas les appeler en mode eh oh, les faux billets là! Des petits dangereux. Ok. Oh non. Non, 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 je viens de la réparer. Pas de conneries, hein. Putain! Oh, les gens dans cette ville, mais c'est une catastrophe, hein. Faudrait peut-être que je demande au prêtre de bénir ma limousine, hein. La Sainte Montazac mobile, quoi, hein. Oula. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bizarre. Merde, c'est là-bas. Hop là, on range tout ça.